Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, je fais cette vidéo pour parler du communiqué qui est récemment sorti sur leur site, je pense que vous l'avez tous lu, qui dit qu'il faut être derrière l'équipe nationale, qu'il faut être derrière le coach national, que c'est une obligation d'être derrière l'équipe nationale et donc d'être derrière son pays. Donc les amis... Suite euh, à ce communiqué, j'ai décidé de réagir pour donner mon point de vue sur une situation qui déplaît à beaucoup de supporters algériens, pour ou contre Jamel Ben mais en tout cas l'heure est grave, il y a des choses très 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 graves qui se passent sur les réseaux sociaux et même dans les médias algériens. Donc, pour rappel aussi Njenad aussi, qui avait fait une sortie fracassante au sujet de Jamel Ben donc Bien sûr, quand ça affecte Diame Maji, ça affecte l'équipe nationale, ça affecte l'équipe nationale, ça affecte les supporters algériens, car nous sommes à un peu plus d'un mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier et donc une compétition qui arrive à grands pas. Donc les amis, c'est simple. Moi, je vois qu'il y a des gens qui espèrent la chute de l'équipe nationale pour leurs propres idées, leurs propres intérêts et surtout, surtout pour un même but. Faire partir Djamel Belmadi. Qu'on soit contre Djamel Belmadi, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Je parle même dans la vie avec des gens, dehors, au café, au travail, des gens qui me disent que Djamel Belmadi n'est plus l'homme de la situation. Mais quand je leur dis, est-ce que tu es derrière l'équipe nationale? Ils me disent, mais c'est quoi cette question? Bien sûr, je suis derrière l'équipe nationale. Bien sûr, je suis derrière mon pays. Sur ma chaîne, j'ai déjà accueilli beaucoup de personnes qui sont contre la tactique de Djamel Belmadji, qui sont contre le choix des joueurs de Djamel Belmadji. Mais là, à un peu plus d'un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, attaquer Djamel Belmadji, demander son départ, car ce n'est plus l'homme de la situation, je trouve ça très, très, très lâche. Donc, le communiqué de la Fédération algérienne de football tombe à pic. Pour moi, le timing n'est pas choisi au hasard. Pour moi, c'est une forme de coup de pression à tous ces détracteurs, à toutes les personnes mal intentionnées qui souhaitent faire le mal, qui souhaitent faire la division, la fitna, surtout, qui souhaitent mettre la haine dans la tête des gens, qui ont de la rancœur contre ben Maji À croire qu'ils ont tué leur père, leur mère, on ne sait pas pourquoi ils ont une telle haine. Alors, sportivement parlant... Moi, personnellement, j'ai la conviction que Belmadi s'est fait voler sa qualification. D'accord? Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi, j'ai zappé. Je pardonne pas. J'oublie pas. Mais on est dans une nouvelle ère. Une nouvelle étape. Moi, je regarde devant moi. Mais les gens, ils te disent, oui, on a été éliminé du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Oui, on a été éliminé lors des barrages, alors qu'on avait gagné 1-0 à Japoma. Belmadi a failli dans sa mission. Belmadi a fait une erreur tactique. Ben Hayada, etc. Moi, j'ai la, conviction à 2 milliards de pourcents qu'on s'est fait voler. S'il y a un arbitrage correct, il n'y a pas la dernière action, donc il n'y a pas le but des Toko et Cambi, il n'y a même pas le premier but, on passe à l'aise pour aller à la Coupe du monde. Tout le monde le sait, la majorité des gens ils le savent, sauf les détracteurs de Belmadi. Même si au fond d'eux, ils savent qu'il y a eu un vol, quand même Belmadi, Belmadi, Belmadi. Donc les amis, être derrière l'équipe nationale, c'est un devoir, c'est une obligation. Être derrière le coach national pour l'Algérie, c'est une obligation. Vous inquiétez pas, si Belmadji fait une mauvaise canne, il partira de lui-même. Si Belmadji échoue à sa mission, il partira de lui-même, lui ainsi que tout son staff, et là, il y aura un nouvel entraîneur. Là, on parle d'entraîneurs de, de malades à croire qu'ils veulent venir entraîner en Algérie, à croire qu'ils veulent venir se frotter à la fédération. Saadi, à tout mon respect pour le moment, Sadi, il bosse en coulisses, il essaye de faire les choses, mais pour le moment il y a, un, il y a une image à redorer. Ensuite, je vais m'adresser à, à toutes les personnes qui sont vraiment contradictoires. Au bout d'un moment, il faut être mesuré, au bout d'un moment, il faut réfléchir avec sa tête au lieu de parler avec la haine qu'il y a dans son cœur. J'entends des gens ici et là qui disent On n'est pas du tout favori, mais si Belmadi va pas en demi-finale, euh, c'est une mauvaise canne, et il échoue à sa mission, il faut qu'il parte. Encore une fois, de la mauvaise foi et de la contradiction. Comment on peut exiger à une équipe qui n'est pas du tout favorite d'atteindre les demi-finales? Donc, c'est-à-dire les quatre dernières équipes en lice pour gagner le trophée. Donc, en théorie et en toute logique, ce sont des quatre favoris. On peut pas dire qu'on n'est pas favori et demander à Belmadi les quarts de finale. Si, dans nos têtes, on dit on n'est absolument pas favori, voire à la limite outsider, c'est minimum l'écart. Je dirais même minimum les huitièmes, parce que les supporters qui ont la haine contre Belmadi, il faut passer l'équipe nationale pour un jeu médiocre, une équipe médiocre, mais d'un autre côté, ils disent on veut les demi finales. Vous vous rendez même pas compte de la, la haine, elle vous fait faire dire vous fait elle vous fait dire des bêtises, mais vraiment qui dépassent au delà de l'imaginaire. C'est incroyable le niveau de bêtises humaines que vous avez dans votre cœur. Moi je le dis, j'ai pas peur, vous me connaissez, je suis Franck Du Collier, vous me connaissez comment je dis les choses. Donc tous ceux et toutes celles qui disent encore jusqu'à maintenant à la veille d'une Coupe d'Afrique des nations où notre pays va participer. il ne s'agit pas que de l'équipe nationale, mais c'est le drapeau algérien. Vous êtes des lâches, vous avez une haine, vous attendez la chute de l'équipe nationale. Je ne vais pas rentrer dans le harki, dans la traîtrise. Ça, c'est très, très fort comme mot. C'est très, très fort comme accusation. Mais par contre, vous êtes des lâches. Je le dis, je l'assume. C'est pas le moment. On, on joue la Coupe d'Afrique. On soutient à l'unisson notre pays. Après, on fera les comptes. Celui qui devra assumer ses responsabilités assumera ses responsabilités. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez demandé à Belmadji de tester, il a testé. Vous avez demandé à Belmadji de ramener des joueurs, il a ramené des joueurs. Vous avez demandé à Belmadji, on en a marre de jouer toujours les mêmes adversaires. Le Mali, la Mauritanie, le Mauritanie, le Mali, il a ramené des adversaires. Vous voulez quoi de plus? Avant une canne, vous déjà vous jugez un résultat qui n'est même pas encore arrivé? Oh, si Belmadji attend pas les de demi-finales, il faut ramener lui. Oh, si Belmadji n'en ni, il faut ramener l'autre. Oh, moi j'ai des dossiers sur Belmadji. Eh, c'est bon, Belmadji, il est là, on peut rien y faire. Que vous soyez contre, c'est une chose. Je l'accepte. Mais il est là, il est là. Khalas. Vous voulez faire quoi de plus? Tous ceux qui veulent plus belle dit, il est là. Donc, c'est quoi le mieux? C'est toujours pleurer, pleurer, pleurer ou c'est de soutenir son pays? Et si demain il gagne de la canne ou il va en finale, vous allez dire quoi? Ouais, mais le jeu, il était médiocre. Ouais, mais, euh, nanani. Ouais, mais non. Arrêtez vos conneries. Revenez à la raison. C'est l'Algérie qu'il faut soutenir. Ce n'est pas une affaire personnelle. Comme je le dis souvent, être algérien c'est bien plus qu'un 12, c'est une façon de vivre, une manière de penser. Donc moi je le dis, je le répète, vous êtes des lâches. L'histoire se rappellera de vous comme des lâches, ni plus ni moins. Les frérots, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis très satisfait du communiqué de la FAF, je suis satisfait du travail de Saadi, le chemin est encore long et ne parlez pas de j'ai confiance, j'ai pas confiance, c'est l'état, c'est pas l'état, les amis. Le chemin, il est encore long. Mais en tout cas, il y a de la réaction et ça, j'aime bien. Merci, la famille. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.